Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Alors, je vous fais un petit vlog, l'histoire de vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne et de pourquoi je sors pas de vidéo en décembre. Et aussi, accessoirement, pour flatter l'algorithme YouTube, hein, comme on dit communément dans le métier. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de décembre et qu'est-ce qui va se passer en janvier? Si vous me suivez sur Twitter et que vous avez vu ma vidéo Parlons Pognon, vous savez qu'à partir de janvier, je vais passer à plein temps sur la chaîne. Et l'autre truc qui va avec ça, c'est que je déménage. C'est-à-dire que là, je suis à Château-Thierry, à côté de Paris, et je vais descendre à Nîmes. Et je descends là, début janvier. Donc là, en ce moment, je suis dans les cartons, en train de tout démonter le décor, etc. Du coup, j'ai pas forcément le temps de travailler sur une vidéo, et j'ai pas forcément eu le temps avant aussi de préparer une vidéo pour décembre, parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps, et entre terminer mon taf ici, faire le déménagement, et en plus préparer des vidéos pour janvier et février, forcément, celle de décembre, elle a sauté. Je parlais de préparer des vidéos pour janvier et février. J'ai déjà deux grosses vidéos qui sont prévues, une fin février, une fin janvier. Ce sera des vidéos en partenariat. La première, ceux qui me suivent sur Twitter savent de quoi je vais parler. J'ai pas pu m'empêcher en fait de mettre une photo parce que j'étais dans un endroit absolument exceptionnel, donc c'était le lieu pour faire une vanne, donc je l'ai faite. Voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Si vous voulez savoir, ben, à mon avis, vous allez dans les commentaires, ça va leaker, ça va fuiter, ça va spoiler dans tous les sens. Mais par contre, vous ne savez pas le sujet précis de cette vidéo. Donc du coup, ça c'est la surprise pour fin janvier. La deuxième vidéo qui sortira fin février, par contre celle-là, c'est pas avec la même boîte. Et ça sera aussi un endroit absolument exceptionnel. Ce sera un endroit, en fait, les deux vidéos que je vais vous sortir, hein, celle de janvier et celle de février, ça va être vraiment des endroits où il y a très peu de gens qui peuvent y aller. Et c'est vraiment des endroits qui sont à la fois impressionnants et à la fois super intéressants techniquement. Donc c'est vraiment, en fait, on est en plein dans ce que je voulais faire avec les partenariats. C'est-à-dire vous montrer des endroits techniques exceptionnels et vous montrer que voilà, on fait des choses de ouf. Et je pense que ça va être vraiment bien. Si vous voulez aider la chaîne, si vous appréciez mon travail, je vous invite vraiment à être au rendez-vous pour ces deux vidéos. Parce que si elles fonctionnent, si elles marchent bien, moi ça me sert d'argument ensuite pour aller voir d'autres entreprises et pour avoir accès à d'autres lieux, etc. Et je pense qu'il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Donc, je compte sur vous pour être au rendez-vous parce que, bon, déjà, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Je vais tout faire pour que vous ne soyez pas déçus. Et en plus de ça, ça permettra de, derrière, bah, de soutenir le projet pour que derrière, je puisse avoir des arguments pour aller voir d'autres boîtes. Ça, c'est pour les grosses vidéos qui vont sortir, mais il y aura aussi un bullshit ou pas qui, normalement, devra sortir mi-janvier à peu près. Ça sera un bullshit ou pas assez light, mais vu que c'est un format que ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas fait, et en plus, ça sera sur un sujet qui m'a pas mal été demandé, qui a pas mal tourné. Je crois que le réveilleur en a déjà mis une couche, mais je pense que je vais en remettre une couche par-dessus. Hein. L'autre truc aussi que je voulais vous parler, c'est que je pense que je ferai une sorte de réponse aux questions que vous m'avez faites dans les commentaires sur la vidéo de CyberScene. Cette vidéo vous a vraiment plu, j'ai eu des retours absolument, vraiment tout le monde m'a dit « Ah, c'est génial et tout, ça a super bien marché, etc. » Et j'ai réussi à mettre la main sur un bouquin qui va me permettre de répondre à des questions plus précises sur le fonctionnement du système viable, en fait, de toute la théorie qu'il y a derrière. Voilà, donc je pense que je ferai une vidéo qui sera plutôt en mode FAQ hein, pour essayer de parler d'approfondir en fait un peu le sujet de CyberScene et aussi de répondre à des questions parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Tant que j'y suis, j'en profite pour dire aussi que le décor va forcément changer vu que je vais déménager et que c'est pas sûr qu'il soit construit immédiatement. Il y aura sûrement un décor temporaire ou alors je ferai du fond vert pour les premières vidéos et puis ensuite je construirai un décor voilà, pérenne qui restera dans le temps et j'ai envie de faire un décor pérenne parce qu'à chaque fois en fait à chaque fois que je déménage je détruis le décor et j'en reconstruis un j'en repense un et j'en reconstruis un à chaque fois et là j'ai envie de faire un truc pérenne en profil aluminium un truc un peu classe donc ça risque de prendre plus de temps le décor physique reviendra ne vous inquiétez pas voilà je pense que c'est bon j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On a passé les 130 000 abonnés là, il y a pas longtemps. Donc je vous dis, passez de bonnes fêtes, passez de bonnes vacances, profitez bien, amusez-vous bien avec vos amis, profitez de la famille, etc., etc. Et moi je vous dis à l'année prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.